Félix Cousin, je suis responsable du musée de la Coutellerie. Je suis arrivée ici en juin 2016 et voilà, donc tiernoise d'adoption depuis 6-5 années du coup. Le musée il est créé en 1982, donc il y avait un premier musée sur Tierre assez classique pour une ville de sous-préfecture qui était le musée Fontenay-Mondière qui était dans la rue Parente. Donc là les collections étaient plus généralistes, on avait des tableaux, des objets historiques et puis une section coutellerie, mais ça, le musée se résumait vraiment pas à la coutellerie. Et dans les années 70-80, il y a un virage qui est pris dans la coutellerie tiernoise. Il y a des métiers artisanaux qui sont vraiment en train de disparaître. Il y a de moins en moins de personnes qui sont des professionnels de cet artisanat. Et donc, il y a un groupe d'élus, de personnes de la population qui trouvent ça dommage qu'il n'y ait pas de structure qui permette de conserver ce savoir-faire, notamment ce patrimoine immatériel. Et donc le musée de la Coutellerie va être créé à cette époque, adossé à la maison des Couteliers, donc qui a une structure associative au point de départ, avec l'idée d'avoir une partie collection et une partie préservation du savoir-faire, et aussi maintien et relance aussi de la coutellerie tiernoise vers le haut de gamme, et en affirmant le fait que Thiers était aussi une forte ville de production du couteau. Alors, on estime aujourd'hui la collection qu'on présente à 600 pièces à peu près vraiment présentées au public. Et en réserve, on en a beaucoup plus. Donc, ça nous permet de présenter des expositions temporaires. Donc, annuellement, on a une nouvelle exposition temporaire qui s'appuie beaucoup sur notre fonds et avec des pièces qu'on emprunte aussi à d'autres musées en France ou à l'étranger. On estime le fonds à 20 000 pièces, mais ça comprend aussi les collections de l'ancien musée, donc avec l'ensemble des tableaux, des costumes, Auvergnat, et voilà, c'est tout ce qui était présenté. Les objets les plus anciens, ça va être les demi-meules qui ont été mis au jour dans un niveau de l'église Saint-Genès, donc a priori daté du XIIIe siècle. On a les tables des marques aussi qui sont inscrites en plus aux objets inscrits à l'inventaire. Après, dans les couteaux, on va remonter au XVIe siècle à peu près sur les pièces les plus anciennes du musée. Donc le musée a la particularité d'être sur deux sites. Donc on va commencer par le numéro 23 dans la rue de la Coutellerie, qui concerne donc l'histoire de la Coutellerie à Thiers. Et puis après, le visiteur va descendre pour rejoindre la partie où on se trouve actuellement, commencer cette visite par les ateliers, où on va avoir un son lumière qui reconstitue l'ambiance d'une forge au XIXe siècle, et puis la partie émouleur et montage d'un couteau fermant, essentiellement avec l'explication des différents mécanismes et de comment est assemblé ce couteau. Et ensuite, on continue avec donc, cette collection permanente, coutellerie française européenne du XVIe au XXIe siècle. Et on termine par l'exposition temporaire du musée. Et en saison, on a aussi l'antenne sur la vallée des Rouets qui permet de voir le dernier rouet en état de fonctionnement dans la vallée, donc celui qui appartenait à Georges Lyonnais, et qui permet un beau complément au musée en pleine nature. Je dirais que sa première particularité, c'est quand même d'avoir les ateliers avec des couteliers, donc des professionnels de ce qui est exposé au sein du musée. Ça, c'est une vraie particularité au sein du paysage muséal. Après, on a une très belle collection qui est reconnue par les collectionneurs de couteaux aussi. Et voilà, cet aspect vivant, préservation d'un savoir-faire et le fait de le perpétuer aussi.